Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une balle de jonglage. Elle va ressembler à ça. Ça va vous prendre moins de 5 minutes et vous aurez besoin de très peu de matériel. Vous aurez besoin d'une bouteille de plastique vide, de semoule fine, d'une feuille de papier, d'une paire de ciseaux et de 3 ou 4 ballons de baudruche. Et voilà, c'est parti. Première étape, on va prendre la bouteille en plastique vide, la feuille de papier et là, on va créer un entonnoir avec la feuille de papier. Donc, on va essayer de l'enrouler un peu sous forme de cône et la glisser dans la bouteille. On va verser la semoule fine dans la bouteille. Maintenant, on va prendre le ballon de baudruche. On va le gonfler. Une fois gonflé, il va falloir le mettre autour du goulot de la bouteille. On va pincer l'extrémité pour pas que l'air s'en aille. Voilà. Donc ça donne à peu près ça. Il faut bien garder les doigts sur le goulot pour pas que le ballon s'en aille. Et là maintenant, on va retourner la bouteille pour faire glisser la semoule à l'intérieur du ballon. Et on dégonfle le ballon doucement. On va nouer l'extrémité du ballon. Voilà, on a déjà quelque chose qui ressemble un peu plus à une balle de jonglage. Étape 2, on va mettre un peu de couleur à la balle. On va aussi, par la même occasion, arrondir la forme de la balle. Donc, on va commencer par couper le ballon à peu près à ce niveau-là, pas trop proche. Voilà, faites attention. Ensuite, il va falloir faire rentrer la balle orange dans le ballon bleu. Voilà, on fait rentrer pour que ça ait quand même une forme assez ronde. Donc là, il nous reste juste un petit morceau du ballon orange. Donc on va essayer de rajouter de l'orange. Et on essaye de laisser dépasser un peu le ballon bleu pour qu'il y ait plusieurs couleurs. Et voilà, vous avez votre balle de jonglage. Maintenant, à vous de jouer.